Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous pouvez voir, je ne suis ni maquillée, ni coiffée d'ailleurs, et je suis en pyjama parce qu'il est pas loin de minuit en fait, et on est minuit 4, on est vendredi 9 avril, et que bon, bah j'ai reçu ma glossy box, et je reçois la beautiful box demain, et j'avais pas forcément envie de filmer, mais j'étais obligée puisque la vidéo sort, enfin celle que vous êtes en train de voir, elle sort aujourd'hui. Donc bon ben je me suis dit faut quand même que je la fasse, et comme vendredi, donc le jour où vous regardez cette vidéo, j'ai mille et un trucs à faire, et ben voilà, je la tourne à minuit, donc d'où l'éclairage, d'où ma gueule, voilà, enfin vous n'êtes pas là pour ma gueule mais plus pour les produits de la glossy de ce mois-ci. Juste une petite parenthèse, j'ai eu des messages sur mon Instagram de nouveaux abonnés, déjà bienvenue et puis merci de vos abonnements. Il y en a beaucoup qui ont su que j'avais eu un décès dans ma famille et qui ont eu le culot quand même de me dire que j'étais souriante dans mes vidéos. Alors je tenais à vous répondre en vidéo parce que en fait toutes mes vidéos sont pré-filmées sauf les glossy box en fait, ou sauf mes lives quand j'en fais, mais mes vidéos sont pré-filmées 2 mois à l'avance. Donc il est évident que j'avais le sourire il y a 2 mois puisque j'ai pas eu le décès dans ma famille. Donc vos remarques un peu bizarres comme ça, enfin vous pensez bien que au rythme des vidéos qu'on fait sur la chaîne, elles sont pré-filmées les vidéos. Enfin, donc évitez ce genre de commentaires très désagréables, surtout quand quelqu'un est en deuil, parce que c'est ça appuie là où ça fait mal et franchement c'est vraiment pas cool quoi. Bref. Allez, on se retrouve pour l'unboxing donc du coup de la glossy box du mois d'avril. Donc vous n'aurez pas de deuxième plan, je vais vous les montrer comme ça à la caméra, c'est pour ça que le plan est plus près que d'habitude. Alors Sarah qui me regarde, qui est derrière avec Alexis, m'a dit, donc Sarah m'a dit que la box était superbe ce mois-ci. Donc j'aurai ça toujours sur Instagram à vous faire gagner. Alors on a le donc le fascicule cette semaine qui se présente comme ça ce mois-ci, et toujours la box qui est présentée comme ceci avec le joli petit ruban et la petite boîte qu'on apprécie beaucoup. Glossy box ne serait pas glossy box sans cette petite boîte rose. Tu veux venir avec moi? Je veux bien. Alors je te passerai les produits si tu veux après. Ouais. Alors on commence donc par une palette. Donc attendez, je vais vous montrer comment ça a été conditionné, parce que cette petite bulle, je ne l'ai jamais d'habitude. Donc on va enlever la petite bulle. Et on commence par le produit numéro 1, donc qui est une palette. Alors si j'ai le temps, je vous ferai des close-up, mais je pense pas avoir le temps, mais bon. Je dis toujours ça, mais non, je pense pas avoir le temps de faire des close-up. Donc c'est une palette, donc qu'est-ce qu'il dit sur le fascicule? Une palette de 4 fards à paupières, quad, donc c'est de la marque Sophia Mabel's Shop. Donc on va l'ouvrir, parce que bon, j'ai pas envie de lire bêtement ce qui est marqué dessus. Hop. Je vais essayer de pas trop abîmer le packaging, c'est mon défaut. Oh, mais toute minus. Mais bon, après, enfin moi je suis pas le genre de nana qui se maquille dans la bagnole ou quoi, mais... pour celles qui se maquillent dans leur rétro. Donc alors les couleurs ouais sont... oh putain, elle sent bon la palette par contre. Et donc c'est tout ce que j'aime, hein. Le rose, le marron, tac. Je sais pas avec la lumière si vous allez voir, mais elle est magnifique. J'essaierai de vous faire un make-up complet avec les produits des glossy et des beautiful box, elle est magnifique. Tu peux regarder ça? Ouais. Donc je passe à Sarah. Donc c'est un produit en full size, ils nous disent, et qui coûte, cette petite palette coûte 27,70€. C'est cher pour un petit truc comme ça. Ça fait combien de... ils disent pas là combien de grammes ça fait? 12 m, 4 grammes. 4 grammes, 4 grammes, donc 1 gramme de fard. Sûrement, ouais, je pense. Bah c'est cher, je trouve. Ouais, c'est cher pour... alors ensuite nous avons je pioche, hein. Hop, je vous montre pas forcément. Nous avons donc un, j'aime pas trop ces genres de trucs en liquide, un highlighter liquide rosé. Alors moi je suis fâchée avec les highlighters liquides et même les blushs liquides, je sais pas, je suis fâchée avec eux. Donc c'est la marque Elikia Beauty. Ouais, enfin c'est un... donc le produit se présente comme ça, donc dans un flacon transparent, on voit bien hein, que c'est le liquide qui est rose. Je vais essayer de m'approcher un peu plus pour que vous voyez. Tac. Et bon, vous verrez rien parce qu'il est minuit et que clairement la lumière est... je vais juste faire ça. Je vais sentir le produit. Oh, il sent rien. Oh, je crois que je m'en suis mis sur le nez.
C'est de la lighter. Ah ouais, mais pour le coup, ça va peut-être me réconcilier, quoi. Parce que c'est ça highlight mes roses, et ouais, c'est limite tu le mets un petit peu en blush. Ouais, franchement, il a pas d'odeur, il est super. Tu regardes. Par contre, j'adore les flacons. Ah, avec la pipette. Ouais, j'en ai plein moi des flacons comme ça. Donc ce produit est un produit en full size. Il est en 15 mm et il fait 14,90€. 15 ml. J'ai dit combien? Millimètres. Ah merde. Ouais, Brester, c'est un peu normal. 15 ml. Oh, je vois un beau truc juste après. Juste après, qu'avons-nous? Oui, je le vois. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je le vois dans. C'est ça? Oh, mais je le pensais plus grand. Donc, nous avons. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je suis obligée de vous montrer les produits là. Je comprends pas. Nous avons un mini eyeliner Black Magic. De la marque Eyes Co. London. Eyes Co. Tu lis comment toi? Eyes? Eyes Co. Ouais. Eyes Co. Alors les eyeliner feutres, je kiffe. Ah, ça c'est toute ma vie. Ah oui, mais il est vraiment mini. Hein. Il est vraiment minus, mais bon après voilà. Hein, Dans le sac. Voilà. Donc, alors ne jamais faire ça. Alors, les filles, j'ai appris un truc la dernière fois sur la vidéo de Ayo Coralie. D'ailleurs, la vidéo que j'ai regardée la semaine dernière, ne jamais. Vous voyez quand il y a ça là. Ça sert pas à remuer en fait. Ça sert quand vous le prenez à, comment dire, à diffuser le liquide dans le flacon. Mais il faut surtout pas faire ça, ça abîme le produit en fait. Donc voilà, moi j'ai toujours tendance aussi à faire ça. Donc sur la main, est-ce qu'il est précis? Oh, par contre. Ah si, oui. Très précis. Alors il a une pointe très très fine pour faire le liner. Je veux juste voir. S'il a une odeur particulière ou... Il est très noir, il n'a pas d'odeur particulière. Hop. Voilà. Et moi, je pense, je vais le tester. De toute façon, j'essaie de vous faire un make-up de toute façon avec tous les produits make-up que j'ai eu. Parce que depuis le mois de janvier, j'en ai eu pas mal de produits make-up dans les box. J'essaierai de vous faire un make-up. Alors, attention, hein, je suis pas Mario Caméléon ni Ayo Coralie. Hein, je vais pas vous faire des trucs... Je suis une maman, hein, c'est pas mon métier. Hein. Alors, l'eyeliner, il fait 12 grammes et c'est un produit en travel size, donc il existe plus grand ou plus petit. Et il fait 12 euros celui-là pour, pas 12 grammes, 1,2 grammes, pardon, il y a un pointillé. De toute façon, comme vous avez pu voir, à chaque fois quand je trouve les produits, je vous les répertorie en barre d'infos. Tu veux le voir? Ouais, non, c'est un eyeliner fait. Ouais. Il est agréable, j'ai l'impression qu'il est agréable à l'application. Ensuite, donc nous avons ce produit. Donc qui est un gloss embellisseur pour les lèvres rose. Alors, je ne porte jamais le gloss. Enfin, j'en portais beaucoup dans les années, pour ceux qui celles qui sont de ma génération. Année 2000, tout le monde portait du gloss, mais il était chiant ce gloss parce qu'il faisait des fils, tu sais, il faisait... T'avais l'impression que t'avais une pâte, mais de ouf, sur la peau. Bah, après, depuis, ça m'a dégoûté des gloss et j'en mets plus. Donc, peut-être que ça va me réconcilier avec les gloss. Donc là, c'est un gloss embellisseur pour les lèvres. Donc, c'est de la marque Bloom Body. Donc là, c'est en 10 ml. C'est en full size et il fait 14,90€. Et alors, comment ça se passe? C'est les embouts en plastique, non? Ah non. Ah, oh, putain, je m'attendais pas à ça. Ouais, non. Ah ouais. Je le mets comme ça. Ah, il sent une odeur. Il sent bizarre. J'ai déjà senti cette odeur. Il sent le sucre. Il sent mon... C'est pas un placement de produit, mais il sent le gloss de chez Fenty Beauty. Ah ouais. Un peu. Qu'est-ce qu'il y a? Putain, il fait rose. Ah ouais? Ah ouais. Oh putain, oui. Ah mais par contre, ils ont changé la texture des gloss maintenant. Oui, bah tu peux... Ah mais ça colle pas. T'auras qu'à tester un jour le fait. Ouais mais parce qu'il fait pas très effet gloss. Enfin si, mais t'auras qu'à tester le Fenty. Attends, j'en ai peut-être pas mis assez. Non mais pas 40 couches non plus. Ah mais il est vraiment canon. Mmh. Ouais. Franchement, je vais essayer de les réutiliser les gloss. Ah puis en plus je suis en accord avec mon vernis ongles. Bref, vous êtes. Dernier produit, hélas, de la box. Hop.
Donc, nous, alors ça, vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, j'arrête pas de vous le dire, j'ai un produit comme ça, je suis fan des produits comme ça. Donc, c'est une crème contour des yeux décongestionnante antioxydante bio de la marque Feel Free Bio. Donc, je connais cette marque parce que j'ai déjà eu des produits de leur marque. Donc, c'est un produit en full size. Il fait 20 ml et il coûte 5,30€. Full size, ça? Ouais, par contre, ouais. Ça a l'odeur, on dirait de la verveine, mais je suis sûre qu'il y a de la verveine dedans. Bon, ça. Je suis sûre parce que tous leurs produits, il y a de la verveine. Tu vois, ça sent le vert. Sent bon, ouais. Je suis sûre, enfin, je regarde la composition, mais je vais pas le faire en vidéo, mais j'aime trop acide hyaluronique, des extraits de café, du citron et de la pomme. Ah ouais, c'est tout. Ça, bon, je vous ferai un retour sur mes différents produits contour des yeux. Donc, j'ai pu tester depuis quelques mois maintenant, deux crèmes contour des yeux. Je suis extrêmement dessus parce que, au prix où elles coûtent, enfin, moi, ça se voit, hein, vous voyez, j'ai des poches sous les yeux. Ça fait que dalle. Par contre, j'ai découvert un truc, enfin, deux produits qui étaient merveilleux. C'était, rappelez-vous, les patchs Alors. Ouais, il coûte une blinde, hein, il coûte 40 balles les deux patchs. Ça a un effet liftant vraiment bien. Et là, c'est un autre produit que je suis en train de tester. Un espèce de masque contour des yeux qu'on met. Et là aussi, pareil, le produit, il est juste oufissime. C'est un effet vraiment décongestionnant de malade. Donc voilà pour les produits de la Glossy Box de ce mois-ci. Alors globalement, là j'ai rien à jeter et je ne mettrai rien dans la corbeille, je pense pas. Enfin non, c'est même sûr. Parce que j'aime tous les produits. Alors c'est très rare, hein, quand je suis séduit comme ça à ce point dans des box, mais là c'est pour moi, c'est un sans faute pour le mois d'avril. Je vous montrerai les produits en détail sur Instagram, donc n'hésitez pas à vous follow à moi sur Instagram. Bon, c'est sûr qu'avec le décès que j'ai eu en ce moment, je ne suis pas active, je ne réponds à personne, je dis bien personne. Donc les dramas, oui elle ne me répond pas, oui elle me lâche des vues, ok, je suis au courant, vous m'écrivez, je ne vous parle pas parce que j'en ai pas envie. Voilà, c'est tout. Je suis pas dans un mood où je vais bien, ou je suis dans un mood où je pleure, ou je suis très triste, ou je suis vraiment pas bien. Voilà, si je vous lâche des vues, déjà estimez-vous heureux, je vous vois. Donc voilà, c'est pas parce que je vous fais la gueule ou qu'il y a des histoires ou que si, c'est juste que j'ai besoin d'être seule. Voilà, tout simplement. Nous, on se retrouvera pas vendredi prochain, mais dans 15 jours pour découvrir les produits de la Beautiful Box cette fois-ci, qui promet aussi d'être une belle petite box parce que je me suis spoilée un petit peu, puisque elle arrive, la voyant pas arriver, je me suis inquiétée et moi je me suis spoilée, mais elle est vraiment bien. Voilà, je vous mettrai donc les produits en barre de description, mon code de parrainage. Toujours pareil en barre de description. Et puis pour voir les produits en détail, ça se passe sur mon Instagram. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très bonne journée. Bisous.